Quel timing incroyable. Aïe, aïe, aïe. Torrents qui ne cesse de nous régaler mois après mois, année après année. Que va-t-on devenir sans Outer Wilds, je vous le demande. Bonsoir. On s'était quitté la dernière fois sur un discours motivant parce qu'on croit en cette équipe CS. On y croit. Elle va y arriver. C'était le début de saison, la première semaine, le temps de se mettre en jambes, etc. Là, je ne dis pas qu'on n'a plus droit à l'erreur, mais je veux une victoire. Je veux une victoire ce soir, parce que ça fait quand même deux matchs que je perds ma voix à chaque fois que je suis en train de caster. Donc, à un moment donné, ce que je donne, le jeu me le rendra. J'en suis persuadé. Ce soir, on affronte les Bigum. Les Bigum, qui est une équipe anglaise sur CSGO. Je n'ai pas l'historique de cette équipe, donc je ne sais pas si ce sont des joueurs redoutables. Je n'ai pas de petite anecdote, un petit peu comme les Polonais, où je disais, ouais, il y a un daron de 36 ans, etc. Non, 36 ans 46 ans, je ne sais plus son âge, mais en tout cas... J'ai pas de petite anecdote comme ça croustillante pour vous, pour la Bigum.
Tout ce que je sais, c'est que c'est des Anglais. Les Anglais et la France, dans le domaine du sport, on n'a jamais été hyper copains. Hein. On n'a jamais été très bons copains. Donc là, c'est le moment de montrer la suprématie française. À un moment donné, face à ces Anglais qui n'ont aucun respect. Il faut le dire, à un moment donné, ces Anglais n'ont aucun respect. Et la Skol va triompher. Moi, j'en suis persuadée. On démarre tout doucement cette fois-ci parce que la dernière fois, on avait mis des musiques hyper énergisantes et finalement, ça n'avait pas abouti. Donc là, on se dit peut-être qu'un rythme plus calme, ça va venir apaiser les tensions. Le calme avant la tempête, comme on dit. Et Drip Too Fast, qui nous fait l'honneur d'être là suite à cette partie. Alors attendez, parce que je joue en même temps. Enfin, je joue. J'attends juste... Drip Too Fast qui est en occasionnel carte du workshop. On te souhaite une bonne game à toi, Drip Too Fast. Aïe, aïe, aïe. Donc non, ouais, c'est vrai que... Oh, attendez. Je vais vous couper le son parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est vrai que on n'a pas eu l'occasion de voir cette équipe CS briller pour l'instant. Ils nous ont apporté beaucoup d'émotions, hein. Cela dit, quand même, le suspense était au rendez-vous, dans tous les cas. Tu débottes. Tu t'échauffes pour ton office, c'est ça. Donc non, c'est sûr que le spectacle était au rendez-vous. On avait du suspense à chaque fois. On était hyper contents de les voir jouer. Mais ça s'est jamais bien terminé. Moi, je veux, à la fin, qu'on se dise « Putain, on a été chercher ces 16 rounds. » La victoire, elle est pour nous. Ça y est, la Skold a réussi à prendre un match. Et ensuite, ce sera l'escalade. C'est un match, deux matchs, et on finit en 8-2, et on va aller chercher ses playoffs. C'est l'objectif. c'est l'objectif. Un match après l'autre. Déjà, on va commencer avec ce match-ci contre les Anglais. On va tuer du roast beef ce soir. Moi, je vous le dis, je n'ai aucune pitié. De toute façon, ils ne comprennent pas ce que je dis. Donc, voilà. Oui, exactement, Meta. Merci de le souligner parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que je suis la seule à être outrée. Pourquoi ? Les Anglais participent à une compétition européenne. Ils ne sont même plus dans l'Europe. Les gars ! Dehors ! Ça va être très rapide. Ah, attendez. La map, les gars. La map. Pas nuke, s'il vous plaît. Pas nuke. Quelle heure le match ? 20h30. Mais comme il y a un petit décalage à chaque fois de 3 rounds, on commencera vers 20h35 à peu près. Coucou, Aomin. Je sais pas comment on dit. Inferno! Ah, ça y est, je suis contente. Inferno, c'est le sud, c'est la Méditerranée, c'est l'Italie, c'est... Voilà, quoi. Voilà. C'est vrai que vous connaissez peut-être pas mes origines, mais bon, voilà, l'Italie. Mais bienvenue à toi, Aomin. Je sais toujours pas si je dois dire Ao ou Aomin, mais bienvenue à toi, en tout cas. Prends place et installe-toi bien... pour profiter de ce match France versus Angleterre, ou Royaume-Uni, hein, si vous voulez faire les puristes, sur cette belle map d'Inferno. Inferno ? Vous êtes plus Inferno ou Inferno ? Bah ça va, comment vas-tu pour l'instant ? J'ai de la voix, je me suis reposée, c'est vrai que les matchs c'est les lundis et mercredis. Donc là, ça me laisse à chaque fois la fin de semaine tranquille où je peux reposer ma voix. Là, c'est bon, j'ai à nouveau de la voix, je peux crier comme je veux. Comme je veux, et bien ce sera Ao. Non, Ao, pas, je connais un Ao, donc ce sera Aomin. Comme ça, je fais bien la distinction entre les deux. Du coup, cette fenêtre-là, hop, je peux la fermer. D'accord. C'est vrai qu'à chaque fois, je pourrais vous montrer les petites stats... Ah, attendez, je crois qu'on va avoir un petit problème de... Ouais. Ça va peut-être être un petit peu trop la guerre. On reste sur un rythme plutôt calme pour l'instant. Le round n'a même pas encore commencé. Ao, le joueur Valo, oui, exactement. Ao, le joueur Valo. C'est ce Ao que je connais. C'est vrai que je ne vous montre jamais cette stat-là. Alors, comment je pourrais faire ? Je vais vous faire... Tac !
attaque. Capture de fenêtre. Tac. Voilà. Je vous montre jamais cette partie-là parce que après le match, généralement, bon, on est un peu dégoûté. Donc, on fait jamais le point sur les stats. Mais généralement, c'est intéressant de voir aussi les stats après coup pour voir concrètement si l'équipe, le match était serré et s'il y avait possibilité de faire autre chose. Mais on n'en est pas encore là. On n'en est clairement pas encore là. J'ai fait des pépés avec lui et il m'a allumé. Je viens le croire. Je connais Ao. Alors, je sais plus s'il est toujours... Est-ce qu'il a changé de club depuis Ao? On va aller voir ça sur Twitter. De toute façon, le match n'a pas encore commencé. Je vais mettre quand même sur l'autre écran, comme ça je suis sûre de ne pas le rater. Ao. Évidemment, je peux le trouver. Évidemment. Évidemment, je vais pas le trouver, le petit Ao, mais je sais plus, il a joué Script, il a fait pas mal de clubs. Ouais, VCL. Alors, il manque un joueur côté Scold. Ouais, un joueur côté Scold, et sinon, les autres sont arrivés. Les Anglais nous attendent. Donc ouais, c'est... Je vais pas dire Anglais, c'est plutôt le Royaume-Uni, hein. Ça a l'air. Oula, il y en a un, il a l'air déterminé. J'espère qu'ils sont pas trop déter, hein, les Anglais, là. Ça ira pas trop en notre faveur, sinon. Mais pour vous faire un petit point, quand même, inside, si je peux dire, tant que j'ai des infos sur la Scold, autant en profiter. On a eu un joueur qui a eu un problème de connexion là pendant le week-end, donc l'entraînement a été un petit peu compromis. Je suis pas en train de trouver des excuses, arrêtez, je vous vois déjà venir. T'es déjà en train de préparer la défaite? Non, je suis juste en train de dire qu'il y a peut-être des conditions qui font que l'entraînement ne s'est peut-être pas passé comme on l'aurait voulu. Mais ça veut pas dire qu'on peut pas les allumer, hein, les Anglais. Les Anglais, ça c'est pas jouer à CS. Voilà, à un moment donné, il faut... Faut dire les choses telles qu'elles sont. J'ai pas trop joué à CS, mais vas-y, ça devrait le faire. Je spam Valo. Mais concrètement, oui. Hein, Alors. Je suis team CS, donc forcément, je suis pas impartial là-dessus. Mais je dirais que c'est plus facile un joueur CS de faire la transition vers Valo que l'inverse. Parce qu'il y a des principes de jeu sur CS qui sont connus par tous les joueurs et qui sont pas forcément appliqués sur Valo parce que t'en as pas besoin grâce aux agents et à tous les effets qu'il peut y avoir en plus, en fait, pour t'aider à jouer. Donc sur la partie shoot pure, je pense que ça se vaut, mais faut être vigilant là-dessus. Faut être vigilant. Par contre, j'espère qu'on va commencer bientôt, 20h33, normalement. Ok, tout le monde est arrivé là. Donc le match devrait commencer très 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 bientôt. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai un peu la pression, hein, je ne vous le cache pas. J'aimerais qu'ils gagnent nos petits de CS là, parce qu'ils n'ont pas encore eu l'occasion de briller. Ils se la donnent. Concrètement, hein, pas besoin de montrer un planning pour vous dire ça, mais ils se la donnent, ils ont envie de représenter la structure, ils portent nos couleurs, ils lâchent jamais rien. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu voir dans les deux précédents matchs où c'est toujours très serré, même si à chaque fois on perd 7-12, je crois, à chaque fois. Je crois que le 7-12, on l'a vécu deux fois et on arrive à revenir 12-12. C'est con, quoi. Il y a le mental, il y a la motivation, il y a la stabilité, il y a tout. Mais il manque pas grand-chose. Il manque pas grand-chose à chaque fois, et j'espère que ce soir, on va pouvoir aller le chercher. C'est très différent, mais je dois comprendre un minimum les sprays, les one-taps, rien n'est pareil. Ouais, c'est ça. Au niveau des patterns, j'ai l'impression qu'on s'en fout un petit peu sur Valo. Juste, tu baisses ton curseur et...
et ça passe. Mais non, si tu veux être bon sur CS, faut connaître ces choses-là. Bon, on va peut-être lancer là, si tout le monde est prêt. C'est vrai que je pourrais vous montrer les très 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 beaux skins de nos joueurs. Hein. Regardez-moi cette richesse. Ça, c'est l'argent de la Scold, ça. Ça, c'est l'argent de la Scold, ni plus ni moins. Aïe, aïe, aïe. Bon. Qui des Français ou des Anglais l'emportera ce soir ? C'est sûr que j'avais pas forcément capté, mais... alors, attendez. Hop. Je vais aller checker si on peut voir leur, où est-ce qu'ils en sont. Parce que normalement, ils sont censés être en 0-2 aussi, mais... Il me semble que le match a été programmé un petit peu plus tôt. Non, voilà, les Bigums sont à 1-1 pour l'instant. Donc, on n'est pas sur les mêmes enjeux pour les deux. Ah, pardon, ça commence. Coupez tout, ça commence avec le gun round pour déterminer le side des joueurs. Alors, je vais activer ça. Le X-ray qui est aussi activé. Et ça se regarde, hein, du côté des joueurs. L'assaut qui a été lancé par l'hétéro. Et Noname qui va se retrouver en difficulté. On perdra ce knife round hein, pour pas changer, j'ai envie de dire. Non, pardon. Je dis des bêtises. La dernière fois, on l'avait gagné. Et on va commencer en terreau. On va voir ce que notre cher capitaine Raze... Vous n'avez pas le son ? Mais si, vous avez le son, non ? Non ? Normalement, vous entendez le petit tic-tic, là. Normalement, vous avez le son. En tout cas, moi, je le vois sur mon mélangeur. Donc ouais, le capitaine Raze qui va nous voir... qui va devoir concocter des petites strates pour pouvoir se défaire de la défense anglaise ce soir. Pour l'instant, on freeze. On a le son du jeu. Ok, merci. Merci, Indra. On freeze pour l'instant des deux côtés. Stuff en main pour Snow. On attend le premier signal des terreaux. Ça semble se rediriger vers le B. Mais c'est un peu tôt pour le dire pour l'instant. Ouais, on a redirigé toutes les troupes sur le B. Est-ce qu'on se doute peut-être de quelque chose avec ces trois en A là qui, pour l'instant... James qui ne bouge pas d'un poil. Et on avance doucement, mais prudemment, dans cette banane pour l'hétéro. On le voit sur la map. Le stuff qui va être lancé. Et c'est l'agression sur le B. Il va falloir être bon, là, du côté de la Scold. On l'a repéré, ce joueur, mais le contre-flash était très très bon. Flo, pour pouvoir faire un kill et Kims pour enchaîner, on va pouvoir planter cette bombe. Ça va faire du bien à l'économie. Et maintenant, il va falloir enchaîner pour aller chercher les trois entiers restants. On a décidé de split avec Flux dans la banane. Et Grrr et James dans le CT. Lord Church, est-ce qu'on a attendu la Flo. On vient jouer la revenge. Attention, Fenzea pour venir rééquilibrer. On est toujours en supériorité numérique du côté de la Scold. On a entendu peut-être ce joueur banane. Raze qui viendra punir instantanément. Et c'est un round de maîtriser. En tout cas, un GR qui est très 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 bien maîtrisé du côté de la Scold. On a su attendre et endormir l'ennemi au bon moment pour pouvoir accélérer et concrétiser une fois sur le site. Et par contre, là, je pense que c'est pas prendre de risques. Il me semble que c'est la première fois qu'on met un gun round. Ça, c'est important de le souligner. Ça va faire du bien au moral de l'équipe. On va agresser le mid, je crois, du côté de la défense. Ou en tout cas, on va stacker sur le A.
Non, là, il faudra juste avoir un petit courageux sur le B pour venir constater que le site est vide. Parce que là, Kim s'avance dangereusement dans ce second mid et il va peut-être se faire surprendre. Raise pour rediriger un petit peu cette équipe. On va attendre. Hein. Je pense que ça va être un jeu très très lent qui va être proposé dans ses premiers matchs, enfin ses premiers rounds de la Scold en attaque. Ah, attention, parce qu'on ne se doute peut-être pas qu'ils sont tous là. On a peut-être fait le mauvais choix là, du côté de la Scold. On les a tous vus, on sait qu'ils sont tous là. Est-ce qu'on va pouvoir rediriger? Et on a déjà fait tomber deux armes hein, pour les Scoldiens. C'est des lourdes pertes qu'on a essuyées là, sur ce round. C'est dommage, c'est cet écho sèche qui a été très très bien maîtrisé par la défense. Et là, on a assez d'argent pour pouvoir acheter un petit peu de stuff, en tout cas des M4 et de quoi contrer les offensives. Alors que du côté de la Scold, on est un petit peu à sec. Ce qu'on aurait dû sécuriser un petit peu plus, plutôt que de lancer une offensive sur ce site A à l'aveugle. On verra si cette stratégie va payer pour la défense. Ça y est, l'agression qui est lancée maintenant et la routine qui commence à se créer sur le site B. Et on arrive très très vite hein, dans ces appartements. On y arrive très très vite. Grrr, qui va être puni en premier lieu. Attention, on l'a vu, hein, ce joueur sur le site. Et ce site A qui a été parfaitement clear. En 3v3. Avec pourtant moins de force d'attaque par les terreaux. Et on va aller sécuriser gentiment, normalement, le 3-3 du côté de la Scold sans essuyer aucune perte. Et on a récupéré des M4 au passage. Donc ça, c'est très 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 positif. Le petit refill de la smoke pour s'assurer que ça ne viendra pas nous chercher. Mais attention, ce nous-là, on est attendu. On a attendu Flo qui va se faire surprendre et Raze qui va peut-être attendre le mauvais timing. On est très low du côté de Raze. On va pas tenter le diable et on va aller sécuriser nos armes actuelles. Je viens de finir un cours à la fin du théorème, la Scold gagne. Et ben en tout cas, ça a l'air bien parti. On va pas porter la poisse. Mais en tout cas, ça a l'air très très bien parti. Installe-toi naturel, prends ta petite assiette et viens te régaler devant la Scold qui est en train de manger du roast beef pour l'instant. Je vais me faire karma, c'est sûr, mais bon. C'est aussi ça, la joie de caster. Une économie un petit peu plus modeste pour ce nouveau round en défense. On a quand même une M4 safe et infamous sur lequel on va pouvoir peut-être capitaliser. Alors, on a choisi de jouer nos deux armes fortes en B. Ah, il y a une agression là à venir par la défense. Oh, la belle balle qui a failli one-shot hein, Snow dans la smoke. L'agression pour venir contrer et ça va vite refroidir les terreaux qui avaient décidé d'agresser la banane. Et ça semble se diriger vers un A. On couvre quand même les arrières du côté de Raze. On distribue du stuff mais on ne s'aventure pas en premier. Un peu frileux là les Scoldiens. On essaie de brouiller les pistes, on sait pas trop jusqu'où on va aller, mais ça a l'air de marcher parce que pour l'instant, ils sont à 4 sur le A et on se redirige tranquillement vers le B avec un 4v1. Est-ce qu'on va se douter de quelque chose du côté des Anglais? Parce qu'on continue de balancer du stuff, Kims, qui continue de balancer pas mal de stuff. Et là, le pauvre Oli qui va se faire agresser sur son site B. Et oui, on comprend que ça arrive sur lui. Ça va commencer à bouger du côté de la défense en A. Mais attention, il faut le localiser quand même, ce Oli. On n'a aucune idée qu'il est là. Il s'est parfaitement bien infiltré. Est-ce qu'il a un timing à jouer, peut-être, ce joueur anglais de la Big Gum? Parce que oui, il y a un Scoldien qui est venu dans le dos. Raze pour venir faire un premier kill dans la banane, puis un deuxième. Ça va aller save tranquillement, hein, je pense, du côté des Anglais. Et c'est dommage parce que Oli n'a pas su profiter
de ce timing qu'il avait, il a préféré assurer la sécurité en sécurisant son arme au passage. Et aucune perte à souligner du côté des Skoldiens. On s'en sort très très bien. Hein. On a un full stuff. L'économie est bonne. No Name est toujours avec sa Galil, mais pour l'instant, on s'en sort très très bien. 4 à 0 pour les Skoldiens. Pour l'instant, le début de cette attaque est maîtrisé, mais là, on est sur un round de full armée pour la défense, avec une AWAP du côté de James. Est-ce qu'on va essayer de jouer vite dans cette banane, peut-être, pour les Skoldiens? En tout cas, on repousse l'agression. Fox qui a été mollo. On va venir récupérer la bombe, mais je crois qu'on va accélérer assez vite hein, sur ce B. On veut prendre de l'espace pour les Skoldiens. Et on se retrouve là à 5. 5v2 pour aller chercher ce site B. Aucun bruit hein, du côté des appartements, forcément. Est-ce qu'on va essayer de faire pivoter un joueur, peut-être de la big gum, pour venir rééquilibrer les forces? Ouais, ça y est, le joueur 3 va venir. Et attention, la Snow qui a réussi à bien contrer là, cette offensive de la Scold. On a gagné de précieuses secondes. Flo qui va venir le punir. Et attention, Oli à travers Smoke pour venir essayer d'arracher la vie de Flo. Mais on s'en sortira pour l'instant. 4v3 en défaveur de la Scold. Mais on est sur le site B et on est bien implanté. On a chacun nos positions. James qui tire un petit peu à l'aveugle et qui a failli trouver un joueur Skoldien. Oli qui reste sur sa position et qui va punir la moindre offensive des Skoldiens. Raze pour venir équilibrer. 3v3. Greg qui accélère dans la banane. Flo pour venir équilibrer. No Name pour venir terminer. On s'en sort encore très bien dans ce round pour les Skoldiens. On garde en plus des armes. Et le temps mort qui est pris par les Anglais. Bon, ça commence bien, là. J'ai peur de trop parler. Hein. C'est pour ça que j'ai peur de trop parler. Mais en tout cas, ce round full armée, il a été parfaitement bien maîtrisé. C'est dommage, on n'a pas réussi à récupérer la WAP qui était présente sur un joueur. Alors là, Fenza hésite. Hein. Il a de quoi acheter la WAP. Mais est-ce qu'il va le faire? Ça, c'est autre chose, parce qu'on prend le risque aussi de... À tes souhaits, Laurine. C'est LGF qui te souhaite un bon à tes souhaits. Donc, est-ce qu'on prend le risque d'acheter une AWAP et de la donner peut-être aux Antilles, pardon, si jamais ils s'en sortent? Non, on va pas prendre le risque de donner une AWAP aussi facilement. On va jouer avec un Fenza très rapide et son MacTen. Et on va peut-être faire la Stratitman. Ouais, c'est la madame d'Instagram. Ouh là, le rush qui est pris assez vite. Grub qui est solide sur ses appuis. On va aller chercher un troisième kill dans la smoke. On a été complètement contré par cette offensive là du côté des Skoldiens. Avec Rez qui est présent dans les appartements. Pour venir rééquilibrer peut-être. On n'a pas perdu la bombe, donc tout est encore possible peut-être. Pour les Skoldiens, mais est-ce que c'est vraiment judicieux de s'acharner sur ce site A que la win ce soir? En tout cas, c'est ce qu'on espère hein, pour les Skoldiens. Ils ont l'air en tout cas en passe psychologiquement par rapport à leurs adversaires, donc tout est possible, même en 2v5, si c'est bien maîtrisé. Raze, en duo avec No Name, on se doute hein, qu'il y a un joueur là. On l'attend, mais il ne pointera pas le bout de son nez. Ça y est, il l'a pointé. On va venir le mollo pour le pousser à la décale. Ça y est, on sait qu'il n'est plus dans ce pit. Et il est forcément charrette maintenant. On s'en doute. Mais attention, parce qu'on se doute peut-être pas qu'il y a un joueur boosté là sur le site. Attention, Flux qui va être puni instantanément. Et No Name... seul contre 4 n'arrivera pas à faire la différence. C'est un premier round pris par les Big Hum. Bon bah voilà, depuis que SJF et Eterox sont arrivés, on perd. Bah super les gars. Super, merci à vous. Hein. La meuf ingrat.
Petit temps mort de prix par la Scold, et on se rend compte qu'on a bien fait de ne pas parier sur une AWAP. Après, peut-être qu'avec une AWAP, ça aurait changé la donne. Hein. Avec DC, on refait le monde, forcément. Allez, salut. Mais non, je rigole, les JF. Ça va peut-être pas faire un rejbi sous câblette, mais... Ah, mais non, il y a un joueur de la Scold qui est parti, pardon. Bah, c'est Raze qui a déco. Raze qui arrache kit parce que sa strat n'a pas marché. C'est des choses qui arrivent. Hein. Parfois, nos joueurs sont instables psychologiquement, vous le savez. Sortez des gradins. Attention, CRS naturel va patrouiller maintenant pour vérifier que personne n'est suspect parmi les spectateurs. Et on se rend compte qu'on a deux poissards hein, dans les gradins. LJF. LJF et Terox va vous demander de partir. Ah, ça y est, Raze est revenu. On se sent mieux. Maintenant qu'il est là, ça y est, on peut reprendre. Et oui, c'est Natural qui prend maintenant sa place dans le serveur. On va voir quelle strat il nous réserve, hein, le petit... le petit Natural Walker. Moi, j'ai hâte de voir. LJF, quand laisse connu. Oh merde. Putain les gars, fait chier, oh là. Encore une défaite, putain. Soupir. Bon, est-ce qu'on peut reprendre le match là, s'il vous plaît? C'est pas que j'adore Inferno, mais moi j'ai envie de me balader sur cette map là. Avec une caméra embarquée. Ça y est, c'est reparti. Bon, full buy maintenant, du côté de la Scold. Ça y est, c'est fini les conneries. On sort la WAP avec Fenzea, le petit privilégié et la petite pépite de la Scold qui va sortir ses meilleures lignes là, pour aller défier la défense. Et de l'autre côté, on est en full buy aussi pour la défense. Donc là, c'est un round full armé. Celui qui remporte ça mettra, quoi qu'il arrive, en difficulté l'économie adverse. La flash qui est bien partie. Et un premier kill qui est pris par No Name et par Raze pour venir punir dans cette banane. On se doute peut-être pas qu'il y en a un troisième qui est déjà assez proche. Et là, le site A semble bien bien vide hein, du côté de Kims. Attention, la flash qui n'aura pas suffi. Fenzea pour venir revenge son mate. Raze pour venir s'infiltrer. Et on va pouvoir aller chercher le dernier qui était présent en backup. Bah ouais, Go Rush Banane, et on n'en parle plus, hein, bah c'est ça. c'est exactement ça. Et comme quoi, t'aurais dû rejoindre le serveur. Hein. J'ai l'impression que t'es... tu sais, comme dans les pièces de théâtre, t'es celui qui souffle les stratégies à tout le monde. J'ai l'impression que tu es cette personne naturelle. On peut jouer aussi LJF, mais bien sûr, je t'ai dit qu'on allait créer un roster CSGO pour les nuls. Avec moi en capitaine. Capitaine des nulos. Comme dans la flamme. Le flambeau. Yo tout le monde, je vois que ça gagne pour l'instant. Exactement Como pour l'instant, 6-1 pour la Scold dans ce match avec un Sai de terreau qui semble maîtriser. Alors le petit travers qui est tenté là par les Scoldiens, ça aboutira pas. Raze qui tente le diable. Premier tir qui sont échangés entre la défense et l'attaque avec une smoke très profonde. Hein. Il faut se méfier de ces smokes là. Allez, on a peut-être un timing à jouer là parce que Flux était présent. Et James, il se fera un petit plaisir d'aller éliminer Raze puis Fenzea. La WAP est tombée, on le sait peut-être pas du côté des Bigum. Et on se redirige tranquillement vers le site Kims. Pour venir aller chercher un kill appartement et on se redirige tranquillement vers le site B. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. On brouille les pistes. Avec le dernier stuff qui nous reste. Mais on va accélérer vers le site B qui est bien vide. Hein. On le sait pas, mais il est vide ce site. On va essayer de tirer à travers Smoke avec Oli qui arrivera quand même à effacer un Scoldien dans ce rush. Et le boost directement pour venir contrer le plant No Name qui n'est pas naïf et qui se doutait. À travers Smoke, No Name qui vient rééquilibrer 2v2 maintenant pour la Scold. On a complètement inversé la tendance. Le retake sera bien plus dur pour les Bigum.
la flèche pour venir aller chercher les Scoldiens qui ne se montreront pas si facilement. Flo, on s'en doute, no name en légende pour venir clutch aller chercher ce 2v1. Solide sur les appuis, solide sur son crosshair et on vient aller chercher le 7ème round pour la Scold. Pour l'instant, ce side de CT se profile très très bien. Hein. On ne sait pas trop quoi dire. On est complètement dépassé par les événements du côté des Anglais. On va enchaîner avec une Echo d'Eagle pour peut-être faire tomber des armes. Et Fenza qui a retrouvé son sniper. Attention peut-être à l'agression directement sur le mid avec nos Deagle. Grrr, présent dans les appartements. C'est pseudo à chaque fois, c'est Kims qui a pris quelques dégâts là dans cette grenade. Et Fenza aussi, c'est vrai, je l'avais pas vu. La mollo pour venir déloger peut-être un Anglais. Snow et Oli pour aller chercher la revenge directement. On va pas s'aventurer plus que ça, hein. No name. On va venir reculer et temporiser un petit peu. Calmer le tempo. Mais on n'a toujours pas récupéré d'armes pour la défense. On va peut-être aller... Ouais, la bombe, elle pue. Hein. Personne ne la veut. C'est un truc de dingue. On va peut-être essayer d'aller chercher quelque chose. Oh, le beau one-tap. Le one-dig du côté de Oli. Il est joli, celui-là. Il faut aussi le souligner quand il y en a des jolis. Bon, Fenzia, plante la bombe, je t'en supplie. Arrête de faire dual suspense. On a récupéré une arme pour la défense. Et ça a laissé tout ce temps libre là. Où on n'a pas planté un petit peu de champ d'action à Gré qui a pu s'infiltrer dans la banane. Et qui a récupéré même le sniper de Fenzia. Alors est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose avec ce sniper? Je sais pas. Mais en tout cas, on va garder la ligne. Mais fort heureusement, aucun Scoldien n'est présent. Attention parce que No Name il va peut-être se faire punir et Fenzia pour venir faire une petite brochette. Une brochette de plaisir, Fenzia. No Name qui se doute que le sniper est présent et Fenzia pour venir aller chercher 4 kills dans ce round. Et il récupère son sniper au passage. 8 à 1 pour la Scold. Encore une fois, on a su renverser un petit peu la tendance. On sent une équipe qui est confiante là. Ça fait du bien de les voir évoluer et pas trembler. Nouveau temps mort hein, pour les Anglais probablement. On sait pas trop on sait pas trop ce que ça va donner. Ouais, forcément les manches 999 c'est pour les éventuelles prolongations à chaque fois. Prolongation qu'on a déjà subie dès le premier match hein, en ISIA. Flo qui flex un petit peu avec son cut. No name aussi. Ça y est, l'argent de la Scold est dévoilé au grand jour. Et on lâche la bombe hein, à chaque fois. On n'en veut pas de cette petite bombe. Attention, agression assez rapide là pour la banane avec le pompier qui sera pas assez effectif. On prendra quelques dégâts de cette mollo. Oli. Ah, on laisse aucun répit là à la défense. On va venir contrer tant qu'on peut. Et attention, là, on va se faire punir directement. Kims. Oh non, on l'attendait pas, ce petit Jims avec son sniper. Et en banane, ça s'est activé un petit peu là. On n'a pas vu grand chose. On était trop focalisé sur les appartements. Voilà, tu vois. Thibaut, on se fait karma. Donc arrête de dire des messages comme ça dans le chat. Ça va mal finir. Mais Fenzia, bon, il est avec son sniper, tout est encore possible, nous on y croit. En légende, il a la bombe. Regardez, hop, il avance, scope, ligne par ligne, il va décale. Tac, il est pas là. Non, bah Jims, on veut pas voir Jims. Remontez-nous Fenzia. Il se passe rien sur sa POV, voilà. Fenzia qui décale, hop. Et là, bim. Oh, on l'a pas tué. Dommage. Dommage, bah oui, il est parti maintenant, il est pas fou, hein. Oh, si seulement on avait une petite hache là pour venir le faire taire. Et Oli qui attend son heure.
Fenzel n'arrivera pas à faire le clutch tout seul. Et c'est un deuxième round de prix pour les Anglais. On a encore... Alors, attendez. On a encore combien ? On a encore deux rounds de... 8 ? 5 ? On a encore 5 rounds à jouer. 5 rounds à jouer pour cette, ce premier side. L'agression assez rapide de la banane. Oh là, Kims, je ne sais pas si elle était un peu ratée, hein, cette flash. Et on brûle la Fenzia, la Molo qui aurait été un peu traître. Moi, je pense qu'il faut jouer sur leur nerf, là. Dès qu'on casse un petit peu le rythme, ils ne savent plus trop où donner de la tête. Kims qui maintient beaucoup de pression dans cette banane pour brouiller un petit peu les pistes et fixer deux joueurs pour rééquilibrer un petit peu la tendance et pour permettre peut-être une agression sur ce site A. C'est encore trop tôt pour savoir. Oh là, on a peut-être un duel là. Kims et Oli qui va voir l'autre en premier. C'est Oli qui verra Kims en premier. Un premier kill de prix dans ce round. Ah, Jims, on a peut-être pris le timing de sa vie. Ah, dommage. Si Raze avait décalé à ce moment-là, ça aurait été le plus grand cheater du monde. On a attendu juste patiemment derrière la smoke. Et maintenant, on lance l'accélération sur la short. Et le site A est clear, mesdames et messieurs. On a même le temps de prendre un petit timing pour aller punir peut-être. Oh non, il y a un mec qui s'est infiltré. Est-ce qu'on l'a anticipé du côté de Raze? On l'a anticipé. Le capitaine qui mène les troupes à merveille pour l'instant. Et Snow qui va se retrouver un petit peu seul là, dans le CT pour aller défier les 4 terreaux. Mais on va quand même le temps. Non, on va juste prendre l'exé. Attention, Rice, peut-être un duel à venir. Non, on va aller sécuriser tranquillement. La belle strat. Pour venir sécuriser sur le site directement. Encore une pause. Bon, il parle beaucoup, hein. On l'a pas vu depuis le début. Mais Luigi, le coach des Anglais qui parle beaucoup, il a beaucoup de choses à dire, mais ça n'a pas l'air de payer pour l'instant. Alors, oula, la strat en face. Une AWAP, un pompe, 3 M4, on verra ce que ça va donner. Avec... plus de sous, hein. On va voir si peut-être Snow fait preuve de générosité. Non, il ne faut pas dire ça, JF. Il faut dire que ça nous rend impatients de mettre autant de pauses comme ça dans le match. Mais ils ont droit à 2 minutes, donc ils vont en profiter. Hein, même s'ils n'ont rien à se dire, ils vont faire a cup of tea. Non, putain. Bon, allez, on annule la blague. On reprend. Retour au jeu. Avec la bombe qui pue à chaque fois. Fenzia pour prendre la ligne. Oh, duel de sniper peut-être à venir. Non, James qui va prendre la petite ligne dans le second mid. No name. Pour amorcer peut-être une flèche. On éteint un petit peu l'activité sur la banane. Oh, attention à pas traverser ce crosshair là, ouais. Le qui a eu le temps de tirer, mais on n'arrivera pas. Raze pour aller chercher 2 kills directement. On remet l'avantage numérique en notre faveur. Attention, la smoke n'était pas posée là. On a failli prendre une balle bête d'un AWAP. C'est dommage. 4v3, dont un pompe. On va voir ce que ça va donner. Afenza qui n'est pas du bon côté. Hein. Duel de sniper. Et c'est le sniper bleu et blanc qui l'emporte. Bon, ça semble se profiler très bien du côté de la Scold. Un round de plus de sécurisé. Tout ce qu'on fait là, c'est ce qu'il ne faudra pas mettre en CT. Mais on a sécurisé des armes pour la défense. Snow qui va peut-être aller chercher un kill. Non, Kims qui a quand même réussi à éliminer
Oli qui avait save la WAP. Donc, pas d'AWAP pour la défense, pour les antiterroristes. Ça va peut-être faire mal. Ça va peut-être coûter cher parce qu'une AWAP en défense, c'est toujours la bienvenue. C'est une triche. S'il te plaît. Respectons l'adversaire. Reprenons les mots de méta. Nous respectons tout le monde, mais nous ne craignons personne. Voilà. On respecte. Penzer à travers Smoke, c'est dommage, on n'a pas vu le tir. Attention, là, Kims qui est en train de map, là, pour le coup. Tout seul contre trois anti-terreaux. Ouais, et Raze qui va juste train son aim, là. Là-dessus, il se permet de flex, en plus. Bon, on arrête le cirque, s'il vous plaît, on se concentre. On se dirige vers notre première victoire, mais c'est pas... c'est pas une raison pour venir faire le zoo. Je trouve les Scaldiens très arrogants, hein, personnellement. Ça va faire une petite remontée de bretelles. Un petit peu comme les DVE à la fin du match du LOSC. On a réussi à faire une remontada, mais on embrouille quand même les joueurs. On sait pas trop pourquoi. C'est peut-être pas le bon moment, mais... Voilà, j'avoue que pour que les Anglais gagnent, il faudrait que Natural et LGF rentrent sur le terrain. Alors attention, là, le sniper qui a pris quelques balles, Raze qui a joué très agressif là dans cette banane. On va peut-être tenter un rush. C'est très calme sur le site A, même si Kim's encore habitué à faire... Oh, la belle brochette là de Snow, qui vient s'offrir un quadru-kill. Voilà, vous voyez, on se fait karma. On a pris la confiance, c'était le zoo. Ce que je vous dis, remontée de bretelles. Remontée de bretelles. Oh là, Kim's est en train de se faire bombarder de partout, le pauvre. Regardez-le. Voilà, vous voyez comment... Dans quel état... Oh, c'est arrogant. Non, c'est juste... Voilà. Je dis pas que j'espère qu'on va se faire remonter. Je dis juste que c'est le prix à payer pour être autant arrogant sur la map. Ouais, plaisir d'offrir un round. Ça doit être ça. Et à chaque fois, Snow, il nous montre ses knives, mais ils sont dégueulasses. Genre... C'est bon. Je dis pas ça parce que c'est les nôtres, mais les Scaldiens ont des meilleurs skins. Après, ça veut rien dire, mais ils ont les meilleurs skins. Bon. Pas grand chose à signaler là dans ce plan de jeu. On est assez équilibré. On va peut-être faire une agression Hitman, peut-être, avec les appartements. Vous voyez, il nous montre à chaque fois les dagues. Dégueulasse, tes dagues. No name pour faire un premier kill. Et Raze pour enchaîner. On lâche le bébé à son coéquipier. Et il en reste un. Oh boy, il est en plein milieu là du balcon. Ça y est, le site A est clear. Et Kims à l'entraînement pour venir enchaîner. 12 à 3 pour les Scaldiens. Et changement de Saïd. Il double. Vous savez quel âge? C'est dingue ça quand même. C'est donc ça qui contribue au bonheur. Non mais regardez, non mais voilà. L'âge moyen sur ce chat et sur le serveur, mais c'est scandaleux, hein. Je suis entourée de débiles. Putain. Bon, j'allais dire, il vous en faut, voilà, c'est une victoire de la school sur CS et vous êtes dans tous vos états. C'est quand même dingue. Ah, le petit ultra qui se glisse parmi le supporter Kameto. Tantôt Carmine, tantôt Scald. On ne sait plus où donner d'athlète, de la tête. Ouais, il en faut peu pour être heureux, ça c'est bien vrai. Il en faut peu pour un Scaldien d'être heureux, juste une victoire. Mais rien n'est terminé. Ah, ça y est, Tonin lui aussi se lance dans le duo de supporters. Tantôt Tonin, tantôt Scald. Tonin Scald. Hop. On enchaîne les supporters. Ouais, là j'avoue que pour remonter ça, je pense que la Big Hum va invoquer Natural, LGF et Tonin sur le terrain. Voilà, c'est ce qui est prévu, hein, c'est le plan de jeu. Je suis en train d'écouter sur TS en même temps et c'est ça. Bah écoute, ça va bien et toi Tonin, t'as passé un bon live?
J'ai vu que t'avais lancé sur la chaîne de la Scold, Donin. J'ai failli t'engueuler pour dire que tu respectais pas le planning, mais ça va. C'était juste un oubli de ta part. Et pourquoi on se tue entre nous, là? C'est dingue, hein? Mais, enfin... Vous voyez les ravages de la guerre? Les ravages. J'ai glissé, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Oh, on est d'accord, LG, enfin, c'est d'une violence sans nom, ça. On attaque même pas son coéquipier, on attaque ses propres mates. Les jeux vidéo rendent violents, c'est bien vrai, ça. Ils ont FF ou... Non, 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 ils ont pas FF, hein. C'est juste que ça met du temps à relancer à chaque fois. Bienvenue dans ma podcaster, hein, LGF. Caster CSGO, c'est pas facile tous les jours, faut avoir des sujets à raconter. Là, j'ai rien à vous raconter, donc je vous commande juste la violence des jeux vidéo. Après, la violence des jeux vidéo, j'ai quand même tapé un nombre de fois incalculable sur mon bureau, il s'est jamais pété, hein, donc bon. Est-ce que c'est vraiment violent? Non, c'est juste un défouloir. Je conclurai par ça. Bon, c'est quand vous voulez pour relancer, là. Franchement, tuez-vous, on relance la map. Y'a personne qui va le tuer, hein. Ah. Ça y est, ça repart. Let's go. Oui, on l'a noté, il faut s'occuper sur CS. C'est sûr. C'est sûr. Oh putain, on a joué 3 matchs en 6 heures. Même plus, 8 heures. Scandaleux. Et on nous a appelé à 22h pour dire hey, refaites un match. Bon allez, on est reparti. On va voir ce que les Anglais nous proposent cette fois-ci en stratégie pour l'attaque. Oh, on se bloque, c'est un peu con ça quand même. En défense, on part à 4 sur le A. C'est le gun round assez classique avec No Name qui saute. On a pris l'info. Et on va fixer 4 joueurs sur le A. Pour l'instant, la stratégie, elle paye toujours. Attention, une petite tête qui dépasse. No Name pour venir chercher un premier joueur. On fait déjà assez mal là, dans cette première partie. On rééquilibre au niveau du site. Attention, il va falloir viser des têtes là pour les Scoldiens. No Name pour enchaîner un deuxième raise. Et le rush qui va être complètement désamorcé hein, par les Scoldiens. 4v1, James en légende avec son Glock pour changer toute l'histoire. Ça ne suffira pas, même s'il emportera Fenze avec lui. Avec un triple kill de No Name. Oui, je vous jure, je sais pas pourquoi il nous montre le à chaque fois. C'est pas moi qui ai choisi les POV, hein. C'est le réalisateur. Un petit peu comme Rocket League, des fois le réalisateur il fait un peu de la merde. Bah là, il nous montre le couteau dégueulasse de Snow. Snow, tu as de l'oseille, mais tu ne l'as pas dépensé au bon endroit. C'est un peu dommage. Oh, l'agression mid. J'aime cette équipe, là. On aime le danger, ici. Oh là, ouais. On s'est croisés, hein. On a vraiment pris deux couloirs différents. C'est dommage. Ah, là, c'est la guerre. Là, les ravages. Là, ça faisait piou-piou dans tous les sens. Le bordel sur le serveur. C'est aussi ça, CS, hein. C'est des fois, il y a... Oh putain, ça faisait vraiment le mème du chat, là, qui avait des visions d'horreur de la guerre. Non mais Snow, dégage avec tout... C'est dingue. Non mais il a payé le réalisateur. Mais en plus, il flex, il est... Oh là là, horrible. C'est une guerre propre. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais en tout cas, les Scoldiens n'ont essuyé aucune perte dans cette guerre. Et on retente l'agression, hein. Raze puis Kims pour aller chercher encore une agression. Alors je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui rigole chez moi. Un peu bizarre. Attention au lit dans le bac. On a failli se faire surprendre. Bon après on avait des MP9, des AK en face. Oh là, No Name à distance avec sa MP9. Je sais pas ce que ça va donner tout ça. On tente l'USP parce que c'est quand même l'arbre la plus précise. Madame, qu'est-ce que tu vois? S'il vous plaît, sortez. On va vous demander d'évacuer.
Non mais c'est dingue. Y a rien de drôle, on vient de perdre un round. Fallait rigoler quand c'était la guerre, là, t'as raté le timing, hein. C'est quand même dingue. Putain, pas possible. Bon, 14 à 4, est-ce qu'on va aller chercher ces deux derniers rounds, quand même, du côté de la Scold? J'ai pas envie de nous porter l'œil, mais ce serait dommage de perdre après avoir autant rigolé, là, sur le terrain. Non mais, ça peut pas attendre, là? Oh là, sérieux. Bon. Mais... L'agression banane avec les Anglais. Mais le site B sera bien protégé avec Race qui est encore debout pour gagner de précieuses secondes. 3v2 là pour les Scoldiens avec dans le cul. Hein. On a Fenze et Kims qui sont là pour sécuriser un petit peu. Flux qui va attendre le mauvais timing et Snow qui se retrouve très seul avec ses 10 HP restants. Balle de match pour les Scoldiens. Le mur, exactement. Ouais, on va l'avoir. On va l'avoir, notre victoire. Soyez patient, soyez patient. Soyez patient. Oula, il y a du stuff hasard qui est balancé par les Anglais, on sait pas trop. Il a un peu paniqué. Oula, on est à nouveau en guerre là, dans le second mid. C'est toujours l'endroit chaud hein, de la map. 3v3 avec des Scoldiens, la MP9 contre des AK. On sait pas si ça va faire vraiment des ravages. Mais Race qui va quand même réussir à éliminer deux Anglais avec juste une MP9 et Grr qui est en 2v1 et qui va sûrement réussir son clutch. On a récupéré une AK du côté de No Name. Plus rien ne peut l'arrêter. Oh, dommage. On a pris un petit HP de cette mollo. Et on arrivera quand même à planter la bombe du côté de Gr. Mais on a attendu No Name là. On a attendu forcément. On a le temps. On va décaler ligne par ligne. Il peut être n'importe où, c'est le problème. Oh, dommage. Dommage. C'est pas grave. On aime le suspense avec cette équipe CS. À chaque fois, écoutez, on apprécie prendre notre temps pour aller soit perdre les matchs, soit les gagner. Là, on espère les gagner quand même. Parce que bon, vu ce qu'a proposé parfois la Big Game, ce serait dommage de perdre contre cette équipe. Echo sèche quasiment du côté de la Scold, sauf pour Raze, avec deux petites flashs et un Deagle pour aller chercher des petites pépitas. Oh là, on s'embrouille les pinceaux. Qu'est-ce qui se passe là? James, une première flash, elle est complètement ratée. Ouais. Putain, le niveau. Bon, ne critiquons pas, on a été joueurs CS nous aussi, putain, attends. Oh, l'agression. Attention, on est en gun round là, avec les Scoldiens qui ont tenté une agression dans le mid. Et Flux pour venir aller chercher encore quelques petits kills pour venir soigner son KDR. La bombe qui va être récupérée. Flo en légende avec un P250 pour venir stopper 3 AK. Rien ne peut l'arrêter. Eh bien si. Grr va l'arrêter. Et encore une fois, les couteaux affreux de Snow. Hein, c'est dingue. Mais à chaque fois qu'on voit les couteaux, on gagne le round. Donc est-ce que ce serait pas le bon moment peut-être? C'est peut-être pas le bon moment parce que... Si, on est quand même bien armé là du côté de la Scold, mais on a dépensé sans compter. On a tout misé sur ce round-là pour aller terminer la game. On va voir ce que ça va donner. Une défense classique. 3 sur le site A, 2 sur le B, avec une agression assez rapide hein, de la part des terreaux. La bombe qui est laissée en arrière, en sécurité. Kims pour venir sécuriser un petit peu ses appartements pour éviter un éventuel rush. On fait cracher pas mal de stuff là. Les Anglais
et l'hétéro et les c'était les anglais et l'hétéro, ouais. Un petit contact peut-être à venir entre Kims et un jour à part. En tout cas, on frise. Hein, on n'a pas envie d'être dans le premier contact avec Fenza qui prend une ligne. On a entendu le scope. Il me semble qu'on l'a entendu du côté de Flux, à voir ce que ça va donner. On sécurise les zones du côté de Snow et on va probablement s'orienter vers un B. Mais c'est bien parce que Raze n'est pas naïf. Il est présent en soutien. Petite grenade de dissuasion est lancée et on va rediriger les troupes ouais, vers ce site B avec une force d'attaque de 5 joueurs. On a encore Kim et Fenza qui sont présents sur le site A. Mais l'action va se passer sur le B avec toutes les smokes, les flashs qui sont lancés simultanément. Et c'est bien parce qu'on voit pas du tout l'action. Quoi. On est sur Flux qui se balade sur la map, on ne voit rien. Le réalisateur, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut voir quelque chose? On a un duel. Avec Flo qui gagne de précieuses secondes. Qui va empêcher le plant, mais je crois qu'il va réussir à planter un James. 2v2 avec des terreaux qui sont très très low HP. On n'a rien vu de l'action, je suis dégoûtée. Vraiment, CS, c'est vraiment un jeu de merde. Kims et Fenzea. AWAP M4. Oh là, James qui est venu se défaire de Fenzea. Kims. On ne sait pas où est le dernier joueur. On va peut-être être pressé un petit peu par le temps. Attention. Et on va venir conclure ce match par une victoire de la Scold. Oui, 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 oui. On peut s'applaudir bien fort. On est enfin, enfin, enfin une victoire. Enfin une victoire pour la Scold. Enfin. Je vous jure, je perds ma voix. Merde, je vous mets en attente. C'est pas ce que je voulais faire. À chaque fois, je perds ma voix sur les casts. On perd. Non, mais c'est bon. Là, je suis contente. C'est Nuke qui nous porte la poisse. C'est Nuke. Des GG pour notre équipe CS pour leur première victoire. On y est, si on est parti chercher le 2-1. Ça y est, c'est fait. On commence les hostilités, tout simplement, avec cette première victoire. Ils peuvent être fiers d'eux. On va mettre un petit message tout de suite. Hop. Pour les féliciter. Ah, et je vois que... que Rendra vient de relancer CS, donc ça va. Un code partenaire, hop. Non. Mais on a essayé. Oh on a essayé, ouais. Mais on s'est fait recaler. Mais un jour, les gens y ramperont, etc. Mais c'est autre chose, ça. C'est carrément autre chose. Moi, je me fais ratio. Non, mais vous vous rendez compte, où va le monde? Hop. Première victoire, du coup, pour les Scoldiens. On va en mettre un petit peu de fond sonore. On les a chicotés. Je chanterai pas ça. Mais l'intention y est. L'intention y est. Non, je suis contente. Je suis contente parce qu'ils le méritent, ces petits Scoldiens. Je vous l'avais dit la dernière fois pour ceux qui étaient présents au discours motivation. On a bouffé du roast beef. Là, on les a vraiment bien bouffés. Donc, je suis très contente. Ils le méritent. L'entraînement, les valeurs qu'ils défendent sur le terrain, ça paye. Le travail paye toujours et là, je pense qu'ils peuvent être fiers d'eux. Moi aussi, je suis soulagée. Je suis soulagée, ça y est. J'ai enfin capté une victoire. Et on s'est bien marré en plus avec l'Afghanistan là sur la second mine. Bon, ce sera bien marré. Donc non, je vais pouvoir du coup vous montrer, comme je vous disais en début de live. Hop. Hop, 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 hop. Touk. Ah merde. Attendez. Abort the mission. Tac, tac, tac. Ok. Donc, 1-2, comme vous voyez, ça s'actualise en direct. Et si on regarde les stats de ce match, on est quand même sur de très 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 belles stats pour nos Scoldiens.
avec Raze qui a été vraiment décisif hein, sur cette map, vous le voyez. Vraiment, vraiment beaucoup d'impact positif. Avec des clutches qui ont été remportées aussi. Hein. Faut pas l'oublier. Des 4 kills, des 3 kills qui ont été faits de part et d'autre. Ça, j'avoue, karma. Ah, bah le karma est bon en tout cas. Alors, Fenzea, il a un mauvais karma. Fenzea, il a un karma à zéro. Je sais pas ce qu'il a fait pour mériter ça, mais putain, la vache. Bah écoute, Fenzea, good luck hein, avec ta poisse. On espère que ça se rétablira assez vite. Prochain match. Bon, là, je vous vois venir. On va affronter les Wouf Wouf. Des Serbes. Les Wouf Wouf. Là, on va se marrer aussi pour le cast. Qui sont en 1-1 pour l'instant. Donc, ils n'ont pas encore joué leur premier match qui est actuellement sur Overpass. Tiens, c'est une map qu'on ne voit pas souvent, ça, Overpass en Ophi. Donc, ouais, les Wouf Wouf. Putain, ils sont beaucoup dans leur équipe. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Eh ben. Donc ouais, les Wouf Wouf, on va voir ce que ça va donner contre eux. Match prévu, vous le voyez, mercredi à 20h30. Ouais, c'est ça, mercredi à 20h30. Donc on sera encore là hein, au rendez-vous pour pouvoir caster nos petits joueurs de CS. Pour aller leur donner du soutien et de la force. Je suis trop contente. Je sais pas si ça se ressent et si je le communique hyper bien. Mais... Putain, on est de retour sur CS, ça y est. On a été chercher une victoire et on s'est bien battu. On a mis beaucoup de pression là dans ce match-là. Donc je suis vraiment contente. Et j'espère que l'avenir est de bon augure aussi pour CS, pour cette fin de saison. De toute façon, on a fait une première semaine un petit peu compliquée, mais je me doutais que l'équipe allait savoir rebondir. Je vais pas vous garder plus longtemps que ça. Je vais vous rediriger tout simplement. Qu'est-ce qu'on hoste ? Pegasus ! Pegasus qui est sur Rocket League. Putain, vraiment, les gens, ils restent sur Rocket League à 24. Ils bougent pas de leur jeu. Ils font de la voiture, du ballon. Ça leur convient. C'est dingue. Tac, 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 tac. Démarrer guest star. C'est quoi ça? Je sais pas. Écoutez, l'équipe CS a gagné. On se donne rendez-vous mercredi. Merci à tous d'avoir répondu présent et d'avoir soutenu l'équipe. On se sera bien marré en plus de ça. On a bouffé du roast beef, exactement. Rendez-vous mercredi pour bouffer du serbe cette fois-ci. Et pour aller remonter ce classement et aller chercher le 2-2. Voilà, meilleure musique encore une fois. Ouais, ouais, su, méta, on sait où tu es. Petit coquin. À la prochaine tout le monde. Portez-vous bien et à bientôt pour une nouvelle victoire de l'équipe CS. Hein. À bientôt. Je lance le raid. C'est vrai qu'à chaque fois, je dis portez-vous bien, machin et tout. Vous avez 10 secondes pour rejoindre et aller faire un petit coucou à Pegasus avant de quitter Twitch, peut-être, ou pour regarder du Rocket League. À la prochaine, tout le monde. Salut.